Alors je me pose la question, les Caltamachèques sont-ils un peuple qui doit toujours souffrir? Avec les rencontres de religion, les rencontres du monde arabe, il y a toujours des petits problèmes qui sont là. Il y a des femmes qui sont toujours enfermées, il y a des femmes qui ne peuvent pas parler, il y a des femmes qui ne peuvent pas bouger, c'est l'homme qui décide. Mais si tu prends les 50, les 70% des femmes, Tarek, sont des femmes qui sont vraiment libres. Mais celui qui lit les Touaregs à Al-Qaïda, qu'il sache qu'il ne connaît pas les Touaregs ou les Caltamachèques. Et il n'a qu'à venir pour s'informer par rapport à leur mode de vie, par rapport à leur islam, qui est un islam de tolérance, un islam de paix, un islam d'échange et un islam d'acceptation. Oh, la guitare aujourd'hui, finalement, c'est devenu un peu l'arme à tout faire. Les Caltamachèques ont essayé beaucoup de choses. La guerre avec les armes, la guerre avec les épées, tout ça. Là. Bon, il y a des hauts et des bas, mais maintenant c'est la dernière arme pour nous. Donc notre festival lance le message d'une autre idée de l'islam. Parce que chez vous, en Occident, pour vous, dès qu'on prononce l'islam, c'est l'agression, c'est la fermeture par rapport aux non-musulmans, notamment à l'occidental. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La très grande majorité des musulmans ne sont pas comme ça. Arhana des zaran, kaiden kamadasan.